Et eh bien, rebonjour pour cette deuxième vidéo euh, au sujet de Hexapunk. La dernière fois, je vous avais montré les, les premières instructions à l'aide du tutoriel numéro 1 et du tutoriel numéro 2. On va maintenant s'attaquer au, au tutoriel numéro 3. Euh, toujours pareil n'hésitez pas à mettre des commentaires poser des questions je mettrai mon email euh, je vais bien sûr compléter euh, le petit github où je mets euh, les, les solutions que je propose et éventuellement euh, un fichier rassemblant toutes les commandes avec des explications en français sur chaque commande je suis sûr que ça peut aider certains d'entre vous et euh, c'est parti pour le tutoriel numéro 3 où on va en fait euh, devoir mettre en place une programmation avec deux exa, xA et XB, parce que ce qu'on va nous demander nécessitera en fait de la coordination et des opérations où ça nécessite d'avoir deux, deux exécuteurs. Donc, on va nous demander. Donc, je vous traduis rapidement pour ceux qui en ont besoin. On nous dit que le, le fichier 199 contient deux valeurs. d'ailleurs On les voit pour le premier test. Hein, toujours pareil, vous pouvez faire tous les test runs, voir qu'il y a différentes valeurs. A chaque fois, euh, la première valeur, c'est un mot, la deuxième valeur, c'est un nombre. On nous demande de créer un nouveau fichier dans Outbox et de copier ces deux valeurs, mais en inversant leur ordre, c'est-à-dire en mettant le nombre en premier et puis le texte en second. Quand on a fini, il faut effacer le fichier 199 qui existait jusque-là et puis bien sûr ne pas laisser de traces. Donc on va y aller euh, tranquillement, vous allez voir que c'est pas, pas plus compliqué. On va commencer avec le premier, euh, on va le, le dédier à la manipulation du fichier 199. Donc pour ce faire, bah, il part de, la, de ma machine, hein. chez moi je l'ai appelé Banquise, vous l'appelez comme vous voulez, c'est souvent le nom de mes ordinateurs, donc voilà. Hop, on lui dit de passer dans la pièce à côté qui est l'inbox, hein, par la porte 800, et puis là on a une pièce qui s'appelle Secret. Secret. Nécessite de passer par la porte 799, donc c'est pareil, on enchaîne avec un autre link ce coup-ci 799, et donc normalement on est dans la bonne pièce et on attrape le fichier. On va faire déjà cette étape là pour lui, c'est déjà pas mal. Euh, pendant ce temps, euh, en même temps, on va déplacer XB, on va le faire passer dans l'inbox, donc avec un link 800. Et lui, il va aller jusque dans la Outbox avec un autre link, ce coup-ci aussi, 800. Et une fois qu'il est là, il va être dans la Outbox. On va lui dire de créer un nouveau fichier. Alors, ça se fait avec la commande qui s'appelle euh, make, si je ne me suis pas trompé. Donc là, je vais vous montrer pas à pas. Ça va vous permettre de voir qu'il exécute vraiment vos instructions. Euh, voilà. Il, il part de la première instruction de chaque exécuteur et c'est parti. Donc il exécute le mouvement de... Alors je sais pas pourquoi il fait XB avant XA, je n'ai pas encore beaucoup joué, on, on verra si ça a une importance. Euh... Ouais, il exécute pas mal XB en premier, donc on a fait nos deux mouvements, il crée le fichier, et pour XA, il récupère le fichier. Voilà. Une fois qu'on est dans cette situation, donc on va avoir XA ici qui aura le fichier 199 en main, ici on a notre XB qui vient de créer le, le nouveau fichier dans lequel on va écrire. Ce qu'il va falloir faire, c'est copier ce qui se trouve dans le, le fichier et le transmettre au deuxième exécuteur XB par le biais d'un registre un peu particulier qui s'appelle M. Qui permet de communiquer entre vos petits exécuteurs. Ils voient tous ce qu'il y a là-dedans, ça vous permet de, de communiquer. Donc, euh, quand je suis avec le fichier 199, je lis ce qu'il y a dans le fichier F et je vais donc l'écrire dans M. Une fois qu'il est écrit dans M, ce qui se passe de l'autre côté, en fait, c'est que euh, le XB, lui, il va chercher à lire. Et comme on va devoir inverser, on va le mettre de côté. On va prendre ce qu'il y a dans M et on va le mettre dans X. Donc là, ça permettra, on va le faire à, pas à pas, je vais vous montrer. Vous allez voir que, donc, on a les deux qui se déplacent. Il crée le fichier, il récupère le fichier, il copie la valeur, vous voyez, écho global. Global, ça, il y a un réglage de, cette, de ce registre pour fonctionner entre exécuteurs, soit à travers toute la machine comme là, là quelles que soient les pièces, soit que s'ils sont dans la même pièce. Donc je ne sais pas il doit y avoir un usage à un moment donné. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a le mot echo qui a bien été copié là, et que XB va pouvoir le récupérer pour le mettre dans X. Et voilà, on voit que echo a bien atterri dans X. Euh, vous verrez dans le PDF euh, qu'ils expliquent que ce, qui, ce qui se passe lorsque un, un exécuteur veut lire ce qu'il y a dans, dans M. S'il n'y a rien qui a été écrit, en fait, il va, il va attendre tout bêtement que quelqu'un aille écrire dedans. Donc, euh, c'est pareil, ça doit servir pour des, des situations plus avancées où vous avez besoin de vous coordonner. Donc là, on va continuer euh, notre lecture. Là, on vient de lire le mot écho. Euh, donc, euh, une fois qu'on aura lu euh, écho, on aura le curseur à cet endroit. On pourra lire le chiffre le 9780 là. Donc pareil, on va aller le remettre dans M puisqu'on sait qu'on l'a déjà copié. On peut le remettre directement dans M. Et euh, ce qu'on va faire de l'autre côté, euh, ben c'est facile, on va récupérer, on va copier ce qu'il y a dans M, et on va directement l'écrire dans le, le fichier de, de B là, qui vient de créer avec l'instruction make, on va le mettre dedans. Donc n'oubliez pas, ce qui se passe, c'est qu'on copie bien le premier qui atterrit chez xb, on le stocke dans x, pour l'instant on n'a rien écrit dans le nouveau fichier créé par make, puisque l'idée c'est d'écrire d'abord le nombre, puis le chiffre. Ce qui fait que le premier copie va nous permettre de stocker le texte dans X. Le deuxième copie, on sait qu'on est sur le nombre, on peut directement l'écrire dans le nouveau fichier. Donc là, on aura écrit le nombre, c'est parfait. On n'oublie pas que derrière, il faut copier le texte qu'on avait stocké dans X. On le met dans le fichier également. Une fois qu'on a fait ça, on dépose le fichier et on disparaît. De la même façon, pour terminer ce qu'on nous a demandé... Euh, on va faire avec une nouvelle instruction le fichier 199, on va l'effacer avec l'instruction wipe qui permet de, de l'enlever et puis on va disparaître. Donc on regarde ce qui se passe. Les exas se déplacent dans les pièces, il récupère le fichier 199 pour XA et il crée le nouveau fichier euh, côté XB. D'ailleurs vous voyez il l'a appelé euh, 400. Pour l'instant on n'a pas besoin d'un hommage particulier, ça marche bien comme ça. On va avoir euh, XA qui va copier... Euh, la valeur qu'il a dans le fichier f, c'est-à-dire echo, il va la mettre dans le registre M. Et de l'autre côté, XB va lire ce qu'il y a dans M pour mettre dans X, c'est-à-dire qu'il va récupérer Echo pour le mettre dans X. Côté XA, on va en recopier donc la valeur suivante qui est donc le nombre 9780, on le met dans M aussi. Et côté XB, on récupère ce qu'il y a dans M et on le met directement dans le nouveau fichier. Vous voyez, il est apparu la valeur ici directement. Ensuite, il va y avoir le nettoyage du fichier avec le wipe pour XA. Vous voyez que le fichier a disparu des mains du petit robot là en XA. Et pour XB, il faut qu'il dépose le fichier. Et les deux vont utiliser Alt pour terminer. Voilà, donc là on a terminé. On va faire les 100 tests. Donc il y a des séries de mots. Ça ne change rien pour nous. Tout s'est bien passé. Et maintenant... Euh, nous allons voir avec le tutoriel 4 que parfois on a besoin de répéter les choses plusieurs fois, exécuter. Euh, c'est ce qu'on appelle souvent les boucles dans les langages de programmation, vous trouverez ces notions-là. Euh, ce qui va se passer, c'est que on... j'ai vu, parce que je suis allé chercher avant de vous faire cette vidéo, euh, quelles étaient les différentes approches possibles pour vous présenter une, une un peu sympa. Il euh, y a pas mal de gens qui le font avec deux robots, hein, où ils. Ils passent de l'un à l'autre, ils répète Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je trouve qu'avec un seul, on s'en sort très très bien. Donc on va faire ça comme ça. Alors, l'énoncé du petit problème qu'on a à résoudre. Il s'agit euh, de regarder le fichier 200. Il contient un nombre n. Ce nombre n, bien sûr, regardez avec les tests run, va changer à chaque fois. Ce ne sera pas le même. Ça a son importance. Euh, et ensuite, on va aller créer un fichier dans la, la outbox, ce qui veut dire qu'on va s'y déplacer pour aller créer le fichier en question. Et euh, en fait, on va lire la valeur qu'il y a dans le fichier, la fameuse valeur n, et il va falloir écrire les nombres de n jusqu'à 0 en descendant. C'est-à-dire, par exemple, là, on a la valeur 9 dans le fichier, il va falloir écrire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et quand on a fini, on va effacer le fichier d'origine, le fichier 200. Donc passage en vous expliquant, ça y est, je sais pourquoi ils utilisaient deux robots dans, dans certains problèmes. Ils utilisaient un, un exécuteur pour aller prendre le fichier et le lire. Et le deuxième, il l'envoyait, et c'est lui qui était chargé, une fois que le premier robot lui disait ce qu'il avait lu dans le fichier, la valeur qui était là, il faisait la boucle. Mais là... Vous allez voir comment on va faire. On va aller, je vous explique rapidement. On va aller là, on va prendre le fichier, on va lire la valeur qu'on va stocker dans x. Et euh, une fois qu'on l'aura stocké, on ira, on supprimera donc le fichier comme on nous le demande. Et on va tout simplement aller dans la pièce à côté, créer le fichier. On a toujours dans x la valeur, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'être deux pour pour ça. Ça vous permettra de voir un code peut-être un peu plus long. Hop, on va dans la pièce. On fait toujours pareil. Vous commencez à connaître maintenant avec link 800. Avec grab 200, on récupère le fichier. On va copier la valeur dans le fichier F qu'on met dans notre petit registre X. Donc là, on va lire la valeur 9 qu'on va les mettre dans X. Une fois qu'on a ça, on a la valeur qu'il fallait lire. On va donc maintenant pouvoir effacer en fait, le, le fichier comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est wipe, rappelez-vous. Donc là, on n'a plus de fichier, on l'aura effacé. On se rend dans l'outbox en faisant un link 800. On crée un fichier avec Make. Tout ça, on l'a vu, il hein, n'y a pas de souci. On, on verra en exécutant pas à pas, il n'y a pas de problème. Et là, pour pouvoir faire des boucles, le choix que, qui a été fait dans Exapunk, c'est d'utiliser des, des labels et des instructions de saut sur ces labels. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. On utilise l'instruction Mark pour écrire quelque chose, si vous voulez. On va écrire le mot Loop, qui veut dire boucle. Puis... Donc là, ça veut dire qu'il a marqué un endroit dans le programme. Ici, vous voyez, c'est surligné. Il y a une marque qui s'appelle loop. Euh, à partir de là, euh, on va pouvoir travailler sur notre but, qui est d'écrire les nombres de n jusqu'à 0 dans l'ordre décroissant. Donc n, c'est la valeur qu'on a lu dans le fichier qu'on a mis dans x. Ça veut dire qu'actuellement, je peux copier la valeur qui est dans x et la mettre dans le fichier. Donc c'est très bien. Si c'est dans l'ordre décroissant, c'est que la valeur d'après qu'on va avoir besoin d'écrire c'est la valeur qu'il y a dans x moins 1 donc on va reprendre l'instruction de tout à l'heure de soustraction subie on prend la valeur de x, on lui enlève 1 et on le remet dans x vous voyez à partir de là euh, ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser le système de test de conditions et de sauts utilisé par hexapunk Exa qui est un peu particulier ça passe par une instruction qui s'appelle test, qui va donc permettre d'exécuter une condition et de dire si c'est vrai, c'est faux, enfin quel est son résultat. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, vous expliquer. Nous, ce qu'on va voir testé, c'est qu'on va exécuter ce que vous voyez depuis loop. Et on va chercher à l'exécuter le nombre de fois nécessaire, c'est-à-dire de 9 jusqu'à 0. Euh, c'est-à-dire qu'on veut être sûr d'écrire toutes les valeurs à l'intérieur. Donc rappelez-vous, on part de la valeur là la première qui est stockée ici, et à chaque fois on soustrait 1, ça veut dire que, comme j'ai besoin d'écrire 0, on va enlever des valeurs jusqu'à descendre d'un 1, 3, 2, 1, 0. Le 0, on va l'écrire quand on sera dans cette étape-là, puis on va lui soustraire quand même une valeur, puisque c'était ce qui est prévu, donc on arrive à moins 1, donc si j'arrive à moins 1, c'est que j'ai fini. Donc je dis que si ce qu'il y a dans x, euh, ça vaut moins 1, je fais ce test et le résultat du test sera mis dans le registre T, qui est un peu particulier puisque c'est le registre des tests, vous allez voir au pas à pas ce que ça donne, et là il ira mettre le fait que ben est-ce que le test dit que x est égal à moins 1, oui ou non, donc vrai ou faux, il mettra une valeur ici. Et derrière, je vais utiliser l'instruction, alors il y en a deux d'instructions hein, qui sont basées sur le fait JMP c'est ça veut dire jump en anglais, ça veut dire sauter. Et on saute jusqu'à un label. Ça veut dire j'arrive ici et je saute sur le label. Mais il manque une lettre avant JMP qui est soit T, soit F. Alors T ça sera pour True, ça veut dire vrai. Et F ça sera pour False, ça veut dire faux. C'est-à-dire que je passe dans mon instruction, je passe sur le marquage de loop, je crée cette surlignée là, et tout ce qui va être en dessous, je l'exécute, je copie ma valeur, je la soustrais. Je teste si je suis arrivé à ma valeur moins 1, ça veut dire que j'ai fini d'écrire tout ce que j'avais besoin d'écrire. Auquel cas dans ici, dans le registre spécial f, on aura la valeur. Euh, la valeur euh, pardon, excusez-moi, la valeur vraie une fois qu'on sera arrivé à moins 1. Donc ça veut dire que tant que c'est faux, c'est-à-dire tant que j'ai pas x égale à moins 1, je dois continuer de faire ma boucle, encore et encore. En faisant pas à pas, vous allez tout de suite comprendre. Et puis bien sûr, à la fin. On laisse le fichier sur place et on disparaît. Donc là, le pas à pas est vraiment nécessaire pour montrer toutes les étapes. On va dans la pièce, on attrape le fichier, tout ça vous maîtrisez bien maintenant. On copie la valeur de f dans x, c'est-à-dire que maintenant on a 9. On nous a demandé de nettoyer le fichier, de retourner dans la pièce Outbox, on crée un nouveau fichier. Vous voyez, il passe directement marque puis il exécute rien de particulier, c'est pour nous, c'est un, un repère qu'à l'exécuteur. On copie la valeur de x dans f, donc vous voyez que 9 est apparu. On soustrait ce qu'il y a dans x, c'est-à-dire actuellement 9. On lui enlève 1 et on le remet dans x, donc on devrait avoir 8, regardez. Voilà 8. On teste pour savoir si x est égal à moins 1. Ça n'est pas le cas. Donc, il y a une valeur... Alors, c'est un peu particulier. Euh, il faut savoir que s'il met 0, ça veut dire faux. S'il met 1, ça veut dire vrai. Donc, l'instruction fjmp... Qui permet de sauter, jump si c'est faux. Là, vous voyez que c'est faux, puisque j'ai 0. Donc on va retourner sur loop. Regardez bien, je suis sur fjmp loop. Hop, je repasse juste sous le marqueur loop. Ça veut dire que je vais continuer à copier x dans f, c'est-à-dire que je vais mettre le 8. Je fais ma soustraction dans x, je passe de 8 à 7. Je fais mon test qui est toujours faux, puisque je ne suis pas égal à x n'est toujours pas égal à moins 1. Et je boucle. Je continue. Je copie, je soustrais, je fais le test et je saute. Voyez donc, vous voyez Vous comprenez la logique. Donc on va continuer jusqu'à notre objectif en espérant qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. On copie, donc là on est à 0. On copie 0 dans le fichier. On soustrait à 0 toujours la valeur 1. On a la valeur x qui vaut moins 1. Le test, regardez bien le, champ, euh, le registre t. Maintenant, on a x égale moins 1, donc ça passe à 1, ce qui veut dire vrai, ce qui veut dire true. Désolé pour le, la traduction entre le nombre, la valeur en, le nom en français et le nom en anglais. Et donc, euh, comme le registre T maintenant est à vrai, FJMP il saute que si c'est faux. On va passer à la suite. On lâche le fichier et on s'arrête. Donc, euh, on va passer au, au run d'après. Si je fais pas, à pas on peut continuer. Donc là, il y a la valeur 62, donc là, ça va être un peu plus long. Vous voyez que là. On boucle de la même façon, vous voyez les chiffres de 62 jusqu'à 0, et puis il passe au test suivant. Tous les tests vont se dérouler de la même manière. Donc voilà, vous avez fait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Vous avez surtout avec la, le quatrième tutoriel fini la partie tutoriel de Hexapunk. Euh, le prochain, je ne l'ai pas encore fait, je pense que je le ferai aussi avec vous. Euh, ce sera un, un système qui permettra de, de venir... Euh, en fait euh, hacker euh, le système informatique de la pizzeria du quartier pour vous faire livrer une pizza chez vous et la pizza que vous voulez évidemment mais on verra ça dans une prochaine vidéo je mettrai les petites euh, les petites explications et puis surtout le, le code que vous venez de voir là euh, sera dans le, le github que je mettrai dans la description n'hésitez surtout pas à poser des questions que ce soit en commentaire ou si vous êtes trop timide faites moi un email je mettrai aussi mon email en bas de la vidéo Sachez qu'il n'y a aucune question qui soit bête, stupide ou des choses comme ça. Ce qui, est, ce qui est dommage, ce serait de ne pas poser la question et de ne pas pouvoir avancer dans votre compréhension de Hexapunk, qui est quand même assez sympathique. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et puis euh, à très bientôt.